Sahara. Ah, yeah. Je m'appelle Nathalie, je viens d'Israël, Irak, à Bagdad. Je m'appelle Sina et je suis coréenne. Je m'appelle Ali Ben Chekroun, je viens de Marrakech. Je travaille à l'ambassade de France. Je suis danseuse, mais j'espère aussi peut-être devenir une programmatrice. Je commence à atelier le magistère de la littérature française. Je suis réalisateur. Je réalise des courts-métrages et je suis en préparation de mon premier long-métrage. Je peux rencontrer beaucoup de cinéastes ici. J'adore la Rochelle. Oui. En fait, ici, c'est une place imaginaire. On peut trouver tout, les films, les acteurs, les réalisateurs. C'est super. Voilà, le spectateur est fait vraiment partie du festival. Je pense que j'ai de la chance parce que parmi d'autres étudiants, je ne parle très, très bien français. Je ne comprends pas 100%. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées, très gentilles, très généreuses. C'est de pouvoir voir en fait toutes les étapes qui se passent derrière un festival déjà d'une part, mais aussi derrière l'industrie du cinéma. Je n'avais pas vraiment d'idée par exemple de comment on pouvait trouver les fonds pour créer un festival et comment ça se passait au niveau culturel, quelles chartes il fallait remplir. Et au niveau de la distribution aussi, j'ai appris beaucoup de choses dans le sens où comment sont choisis les films, pour quelles raisons, qu'est-ce qui fait qu'un film est choisi plutôt qu'un autre pendant une période donnée. Et ça, c'était vraiment très enrichissant et je suis vraiment très reconnaissant envers Culture Lab. On peut regarder les films et après ça, on peut donner notre point de vue personnel après les films qu'on a vus. Et pour ça, on va acquérir des cultures, des informations nouvelles qu'on ne sait pas déjà. C'est très bien, c'est chouette.